Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Espace démocratique qui se défense peuple là. Vinba explication de travail, 9 commissaires qui dans la commission suivie à conséquence Missoua. A fait. Côté PM Ariel Henry te voye nous à rencontrer tout signataire à conséquence là. Des commissaires qui travaillent la nuit pour la journée pour vendre vision politique PM Ariel Henry sur tous les réseaux sociaux. Des commissaires qui rencontrent Akmoun Montana yo. Peine, c'est ça, une façon pour gagner un gouvernement de consensus largement large pour payer à pas tomber dans la crise politique. Des commissaires, tant que moi-même Paul Géraud Jean-Baptiste, qui c'est une là qui représente l'espace démocratique dans la commission, qui réunit environ 300 signataires à court septembre là, côté nous fait formation pour yo par élève. Expliquez-yo à quoi. Étendez de doléances pour nous porter par PM Ariel Henry. L'espace démocratique souhaite pour 9 commissaires yo toujours continuer de travailler dans tête ensemble pour satisfaire les besoins du peuple. Nous n'avons plus de problème qui gagne, côté tout compte au passé, son seul problème. Formation gouvernement, ça que fait gouvernement pas formé. Eh bien, nous même au niveau espace démocratique, nous avons une explication. Pour formation gouvernement, nous apprenons que y a un politique qui passe 3 jours à dormir dans la primatie, dans la négociation. Nous ne savons pas jamais la caillou dit tout. Je démontre qu'il y a défendre peuple, pourtant, si ça fait pas, il y a pris. Il y a passé 3 jours à dormir dans la primatie. Tellement il y a négocié. Il y a un monde qui dit, il y a un grand manger. Vous avez dit pour grand manger. Au moins de toi, poste mon cher, lui répond, si vous bam tout, moi t'as plus content. Le monde sait qui sont encore demandé. Je demande n'importe 3 ministères. Je demande n'importe 5 à 6 directions générales. Il y a marchement de BMPAD. Il y a marchement de ONA pour y aller gagoter la champagne. Là. Ça rappelle nous que le président Jovenel Moïse. Théophile a 95% pouvoir pour te quitter seulement 5% pour le peuple. N'est-ce que tu trappé trois petits, il y a un moins quand tu pas d'accord. Je dis c'est tout pour Bayou. Eh bien, vous êtes en ouais, PM Ariel Henry, pas tant qu'à monter le gouvernement pendant le week-end. Faut me dire nous bien la presse. Ce n'est pas 3, 4, 5 listes qui viennent en chier là, oui. Gouvernement fin monte, oui. C'est tellement aloufa politique ça, oui. Gros manger ça, oui. Moun qui a fait semblant de travail pour peuple, yo fait semblant. C'est pour peuple et peuple qui a défendu. Yo, PM est obligé de venir dans la situation. C'est un mouet qui gagne. Ou après, yo vient obligé comme si chier les ça, oui. Mais il n'y a pas 3, 4 listes qui fait. L'issue chue par rapport à la bataille qui gagne. Bon, dis-nous bien, peuple haïtien. Pas de bataille pour peuple. Vrai. Il n'y a pas de bataille pour peuple. C'est affaire intérêt. C'est affaire besoin. Vous voyez, ministère de la justice, ministère intérieur, ministère finance. Il y a un gourmet pour ça. Il y a un gros gourmet pour ça. Et c'est celle nous-mêmes au niveau escouade démocratique qui a campé pour dire peuple là. Il y a un gros gourmet pour ministère intérieur, ministère de la justice. Et bien avec ministère finance. Tellement il y a un gourmet pour ça. Il y a pas fait peuple, il y a plus. Depuis mai 2019, l'université Kiskeya a réalisé un colloque en forme de réflexion avec plusieurs experts dans la sécurité sous le pays pour brasser l'idée pour voir comment on est capable de faire des propositions sérieuses pour améliorer la situation. Et en septembre 2021, un groupe citoyen mettait tête ensemble à travers près de constituer un groupe qui aurait les croisades des organisations haïtiennes contre les kidnappings et la violence des gangs. Pour chita réfléchir, faire des propositions à l'État ça. Deux groupes ça y est, jeunes moyens, ils chita ensemble. Et c'est dans ce sens ça, chers amis, pour y proposer à l'État des mécanismes pour des contributions citoyennes par l'État haïtien. Que groupe ça a pris naissance qui est le groupe de travail sous sécurité. Groupe qui travaille sous sécurité, il y a là-dedans plusieurs personnalités dans la société civile. C'est un regroupement qui fait pas tout haïtien à la honte. Tout le monde dans la société a senti intéressé par la problématique et sécurité et fait proposition. Jean est capable, nos niveaux sont capables pour résoudre le problème. Nous avons mis nos forces ensemble pour nous poser action. Nous représentons la société civile dans toute réunion avec l'État.
institutions pays étrangers partenaires Haïti sur question sécurité. 2. Encourager institution police là prendre toutes mesures pour mettre sous pied l'autre stratégie qui est capable de faire gang yo rentrer dans trou yo ensemble en même temps qui montrer à terre sans perdre du temps que l'insécurité a perdu force. Mettez sous pied un système qui a voyagé sous sécurité publique, qui est capable de permettre de nous faire bon genre recommandation à la société civile, là, l'État et la police. Faire autorité locale avec notre tête l'État central là, ou est nécessité pour prendre en considération sécurité à tout le monde, sécurité tout le monde avec bien. Faire une campagne nationale sur l'éducation citoyenne qui permettre de changer comportement et puis faire promotion pour bon genre collaboration qui doit exister entre la police, citoyens et tout acteur dans la société civile. Faire une campagne éducation dans la diaspora dans l'idée pour action groupe qui travaille sur la sécurité joue un plus bon support dans le niveau international. Groupe qui travaille sur la sécurité a gagné là-dedans. Il y a ensemble monde qui prend engagement pour tête yo ou sinon comme porte-voix l'autre institution. Miguel Adol Mario Andresol, ancien directeur général police nationale Haïti. Docteur Joël Augustin, président Front Uni de la diaspora haïtienne. Professeur James Boyard, professeur de l'Université l'État d'Haïti. Miguel Ashley Larac, ancien Léopard Force l'armée d'Haïti. Pasteur Saint-Pierre Destiné, coordonnateur croisade des organisations haïtiennes contre le kidnapping et la violence des gangs. Professeur Mathias Loreus, écrivain, chercheur de l'Université de l'État et l'Université Kiskeya. Il y a moi-même, qui suis opératrice culturelle et un citoyen engagé. Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH. Ariel Dominique, qui représentait un groupe dans la diaspora sur stratégie avec développement, avec engagement. Emmanuel Adouillon, spécialiste en politique publique. Bernard Crane, qui est un homme d'affaires. Jean Bonal Fatal, avocat militant syndical. Dr. Charles Prosper, qui est directeur 1804 Institute, professeur chercheur et puis membre associé à l'Université Kiskeya. Il y a Dr. Charles Tardieu, éducateur et entrepreneur. Haïti a fait face à un problème de gouvernance. Côté que l'institution n'est pas capable de répondre à la mission. Et comme nous avons parlé de sécurité, nous avons parlé de acteurs au niveau chaîne pénale. Donc, la police là, avec la justice. L'État gagne obligation, autorité, pour protéger vie avec bien, population. Il a une obligation tout pour renforcer l'institution, faire appliquer la loi. Ça n'a pas vivre en Haïti depuis 2017, nous pas jamais vivre en un pays depuis 1986 après Haïtien bataille pour renforcer la dictature. Côté que la vie moun banalisée dans la société a la vie n'a pas aucune importance pour l'autorité. Autorité, dirigeant, pendant qu'il a joué tout privilège qui est lié avec la fonction, mais il n'a pas pris responsabilité, il n'a pas appliqué la loi. Mais dans le comité qui travaille avec Marion Ressort, le professeur Boyer, là, pour nous joindre une solution. Pour nous capables de proposer une solution technique à la question ça. Mais il faut que tout le monde rende compte que même si nous avons une solution militaire ou policier à résoudre le problème gagné, si nous ne pas penchons sur l'aspect social, l'aspect humain, c'est comme si nous ne faisons rien. Donc c'est une mission que le groupe ça a été. C'est sensibiliser la population, surtout la jeunesse là,
pour me dire gain option kounya nous suspend blier jeune yo faut institution l'état qui responsable pour jeunesse là commence faire travail yo li pas normal pour des ministères pour jeunesse et des sports pas qu'on voulait ou bien pas j'aime parler sur question sécurité là il y a une responsabilité là donc nous là pour nous faire pression sous différents responsables gouvernementaux qui ces directions qui ces instituts quelque chose alliés pour nous capables faire ou faire travail correctement nous là pour nous sensibiliser population avec des messages avec toute qualité ben nous rejoindre nous là pour nous supporter des projets qui existaient déjà pour nous bailler plus ampleur pour nous démarcher vraiment un message côté pour dire jeunesse là bon bien un groupe mon gounier là qui si me pas tant de bruit telle organisation te font bon proposition qui là pour courir organisation ça pour li arriver jour nous pas qu'oublier jeunesse là encore faut nous faire tous deux ensemble nous saluer initiative primature qui gagne en tête li premier ministre Ariel Henry qui est venu avec task force ça qui gagne là dani ministre TBTC, qui c'est ministre, qui c'est ingénieur Wilson Edouard, qui est là dans les SEEUR, c'est service d'entretien et équipement urbain et rural, qui est là dans les DDRO, direction départementale de l'Ouest, qui est là dans le CN, le Centre national d'équipement, ensuite qui est là dans les MDE, ministère de l'Environnement, qui est en tête de James Cadet, qui est là dans le SNGRS, qui est dirigé par M. Jean-Moniz Vincent, qui est directeur général. Non? Ensuite, et par rapport avec Task Force SAYO, c'est moi-même, ingénieur Marie-Ganette Galliot, qui a coordonné toute activité SAYO de concert avec tout le monde qui collaborait ensemble avec nous. Je pense que DPO a lui-même rôle comme coordonnatrice activité ça, parce que SNGRS était clair dans le cas d'attribution par rapport avec la loi 21 septembre 2017. Là. N'a profité ça de tout employé nous net qui te prend bâton pèlerinage pour nous être capable de faire travail ça. Et nous gagnons chef opération, yo. Nous gagnons contrôleur flotte, nous gagnons superviseur, nous gagnons travailleur. Le travail là, ce n'est pas ton travail qui est facile, il demande énergie, dormita, lever bonheur. Et m'a profité ça de tout collaborateur, DD ou CNE qui te constitué flotte ça, yo, pour nous être capable de mener travail ça. Zone d'intervention, c'est que ça nous fait pendant 6 jours de travail. Nous avons fait devant marché Gérald Bataille, nous faisons les signes de Akafurita, nous faisons route de Nazon qui est là dans les safari, Batoli, Hexagone, Acacia. C'est des points de stockage et que SNGS a travaillé pour éliminer les points de stockage. Nous faisons avenue Couplard, OACT, marché Miagouane. Pour Pétionville, nous faisons marché Pétionville, Juvena, Ripavé, dans la sous-zone commune Port-au-Prince. Oui, magasin de l'État, oui, des miracles, champ de masse, oui, des casernes. Quand vous gérez la bataille, là, tout le monde connaît qui ça le représente pour nous, c'est le plus gros problème. Presque tout le gaz SNGRS, c'est là, il est censé passer. Nous faisons, quand vous gérez la bataille, là, Delma 33 Saint-Patrick, devant marché du Monet, champ de masse, canapé vert, bois vénard, poste marchand, Maïgaté et vice-pats villa, devant MSPP. Nous faisons route frère, zone académie de police. Pernier, boulevard 15 octobre, Tabar, Doplas, Hugo Chavez, boulevard Jean-Jacques de Saline, La Saline, Aritouman, Avenue Bolos, Fleury Bassier, Riel Alec, Larac, Rue Joseph Janvier, Rue Oswald Durand, l'hôpital général, Rue Monseigneur Guillou, Rue Saint-Honoré, Avenue Do, ANDC. Nous n'avons pas quelque travail pour nous faire. Pour bilan travail ça, du 17 au 22 novembre 2021, c'est un balayage et entassement et enlèvement. Nous avons ramassé 10 290 mètres cubes de déchets qui enlevaient dans la zone métropolitaine. La communauté intervenue, c'est Port-au-Prince, Pétionville, Delma Tabar. Et nous avons continué le travail pour nous chuter encore, pour nous définir ce qui est pour nous avancer. Matériel logistique qui a gagné, c'était 31 camions. En moyenne, c'est 16 mètres cubes. Tu as gagné 3 compressifs de 35 mètres cubes parce que. Et ta force là travaille pendant la journée, mais le soir, on connaît SNGS travaille 24 sur 24, avec dit nous travaillons, nous avons groupe AM, nous avons groupe PM, les flottes la fin passer dans le matin. Pour les gens qui ne comprennent pas ce qui flotte, les appareils de flotte, c'est en l'odeur qui est dans la flotte là, après ça, on a un camion, on a des bobs 4 tours qui pour faire caniveau, pour faire tout le coin, pour raffiner le travail là. Quand on a dans ce sens, SNGS c'est un compressif qui a un cube avec 35 mètres cubes.
l'après-midi, toute ligne qui fait grande action, qu'on peut s'y obligé de mettre le cabou en la dedans pour nous être capable de faire le travail ça. Nombre de voyages de camions nous fait qui déversent sous ces décharges là, c'est 779 voyages, camions et compressifs. Pour question carburant, nous avons 5400 gallons de carburant nous avons utilisé dans le matériel, qui c'est l'odeur, qui c'est bobcat, qui c'est camion, compressif, ensuite machine de service surtout. Parce qu'il faut des machines qui ont un superviseur là-dedans, qui ont un contrôleur là-dedans pour capable de faire ce travail ça. Qui bat en moyenne par jour, 1715 mètres cubes de déchets qui enlevent par jour. En termes de perspective, nous pensons que nous saluons l'initiative ça parce que le résultat est probant. Qu'on y a nouvelle, sous nouvelle direction SNGRS, là, nous pas, nous pas, c'est vrai, nous avons besoin de coup de main, son task force, mais nous avons continué à faire travail, non, parce que la loi 21 septembre 2017, là-bas, nous avons obligation pour ça, pour nous capables de faire travail, non. Mission, nous, c'est accompagner mairie, pour nous capables de faire collecte dans tous les quartiers, dans toutes les zones, pour nous capables de travailler, parce que le travail est délicat, qu'on y a. Autrefois, nous avons des 40 compressifs, nous avons ramassé 60% des déchets. Je ne dis pas, nous, c'est vrai, nous avons un nombre suffisant, mais pas oublier, SNGRS qui était SNGRS, parce que les gens employés pour ça, les gens expertise dans ramasser Fatra, et que nous pas là pour seulement enlèvement seulement, nous là pour nous capables passer dans la question collecte, question tri, nous là pour nous valoriser des chaînes, et puis nous là pour nous transformer des chaînes. Pour hier 22 novembre, nous sommes dans la commune Pétionville. Nous avons dit que mairie vraiment participé tout. Nous avons profité de saluer mairie Pétionville dans ce sens. Pour une journée, nous lever 1000 mètres cubes de chair qui étaient en dans le marché Pétionville. Je vous dis que tout le travail que nous avons fait et que nous avons gagné en prime que la baille dans le concours 4 ça l'a fait. Premier prime, c'est 50 000 gouttes de la baille. Deuxième prime, c'est 30 000 gouttes. Troisième prime, c'est 20 000 gouttes. Le programme ça, SNGRS a toujours impliqué là-dedans, parce que je dis, Fatra n'a pas l'air, c'est en matière première secondaire. Déchets fait partie de l'économie circulaire, il pas seulement une nuisance, c'est une opportunité. La première, c'est tout le monde net en général. La première, c'est PM, qui c'est Ariel Henry, qui est venu avec le programme qui permet de task force ça faire. La première, c'est le ministre TPTC, qui c'est ingénieur Wilson Edouard. La première, c'est ministre environnement James Tader. La première, c'est directeur général, nous, qui c'est Jean-René Duversin. Et tout le monde qui était présent, tout leader communautaire qui campait pendant que nous avons fait travail ça pour SNGRS capable d'atteindre l'objectif. Caucus politique pour le sauvetage national, c'est un groupement politique qui rassemblait plus passé une centaine de partis politiques et organisations société civile. Nous-mêmes, caucus, nous décidons de rencontrer la presse journée aujourd'hui. Notre objectif pour fixer position nous sur situation sociale, politique, économique maloupe pays à traverser, tant que problème de sécurité généralisé ça, crise gaz et la prière. Nous profitons de cadre rencontre avec la presse là, dans contexte difficile ça, pour nous demander tout acteur pour enchaîner dialogue. N'a lancé en même temps un appel à un sursaut national pour nous joindre une entente entre nous qui permettre nous résoudre la crise. Le caucus là a encouragé PM Ariel Henry qui te joint support un ensemble de structures politiques et organisations société civile pour signer encore 11 septembre 2021, passer dans la phase application accord sans perdre de temps. Caucus la levé voile pour demander PM nan dégager koumet Jean-Jacques monter un gouvernement inclusif kap chita sou sensibilité politique ak sensibilité populaire pressé pour éviter yon lot crise nan pays ya. C'est dans sens ça caucus politique la a demandé PM nan pour prendre bâton pèlerin al marcher contre tout acteur qui te signé akòa ak si la ki pat signé yo nan souci pour rassembler tout petit pays a. N'a pas rappelé PM Ariel Henry que groupe caucus la te rencontré li nan yon démarche citoyen à travers signature akò 11 septembre la
qui te vise à encourager lui, joignons en tant à toute force organisée en de pays. C'était dans l'idée pour retirer pays à notre groupe. Qui donc, nous-mêmes caucus politique, nous sommes un groupe indépendant qui engage un combat défendre pays. Nous pas ni petit groupe supporter, ni partisan, aucune autorité, aucun chef n'a défendre pays d'Haïti. Pour finir, caucus la suggéré, PM Ariel Henry, dans la période fête fin d'année ça, pour lui voyager garder situation peuple, créer bon genre d'activité sociale pour soulager misère, malheur et malheureuse. Pour toute population vive une fin d'année, notre tranquillité, notre la paix et notre tête ensemble. Avec caucus là, Haïti pas mourir et il pas de. Nous présentons nos sincères remerciements à cette docte et grande équipe plurielle d'intervenants à des niveaux divers qui nous ont permis de profiter de la formule rationnelle, comprendre, expliquer et prédire. La présentation du jour agite des palmes académiques pour les recherches, pour les chercheurs, théoriciens, planificateurs, enquêteurs, analystes, rédacteurs. Elle fait aussi l'apologie de la capacité d'abnégation et de sacrifice des communautés sinistrées de la péninsule sud, de leur volontarisme, de leur détermination à rester debout pour se maintenir en vie et garder l'espoir de reconstruire un espace de vivre ensemble nourricier, sécurisant, hospitalier, en lieu et place des localités marquées par la désolation où plane l'ombre de la mort couplée à d'indicibles souffrances. La présentation du jour met particulièrement en exergue la gouvernance appliquée à la gestion immédiate des dégâts matériels et humains du séisme du 14 août 2021. Le gouvernement a été présent depuis au cœur de la tourmente en y apportant les aides salvatrices et utilitaires. La coopération internationale a fait acte de commisération humaine en assistant le pouvoir en place. Autorités départementales et locales du Sud, la société civile solidaire, dans leur initiative d'accompagnement et de soulagement des populations terrassées. La volonté politique de soutenir la péninsule Sud a été maintenue malgré les déséconomies liées au blocage des axes routiers et à la crise du carburant, malgré le désespoir exprimé par l'exode des nationaux et la fuite concomitante des capitaux. Les objectifs du support et les activités y afférents pour empêcher la péninsule sud de flancher pour le maintenir à flot et paver la voie à son relèvement ont été payants et bien reçus par les riverains. Mesdames, Messieurs, l'approche par les territoires prônée par le Premier ministre que nous avons mise en œuvre dans chacune des étapes de ce processus s'est révélée bénéfique. L'intégration et l'application de tous les secteurs ont constitué le ciment indispensable à la réussite de cet exercice de planification. L'implication des communautés touchées par le séisme a été au cœur de nos préoccupations et a servi de pierre angulaire à notre démarche. Aussi, sur un territoire d'environ 5000 km² constituant la péninsule sud, nous avons découvert la tristesse et le dénuement d'une population fortement affectée, notamment dans les milieux ruraux. Nous avons découvert la fragilité de notre environnement et des espaces de vie. Nous avons constaté la faiblesse des structures publiques et l'absence de préparation à des catastrophes de cette envergure. Quoi qu'ayant une propension à être frappé constamment par ce type de désastre à récurrence. Par ailleurs,
Nous avons également découvert le formidable courage d'une population prête à lutter pour sa survie. Elle reste debout malgré l'accumulation des malheurs, les menaces. Nous avons été frappés par la dignité. Je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion pour féliciter les autorités nationales, encore une fois pour leur leadership, dans le cadre de ce séisme, tant pour la réponse immédiate, search and rescue, l'appui d'urgence sous le leadership remarquable de la direction de la protection civile, mais également le leadership du gouvernement avec une décision prise très très tôt pour la réalisation de cette évaluation du PDNE en un temps record de 6 semaines sous la coordination technique du ministère de la planification et de la coopération externe. Et ça a été vraiment un travail fait en équipe, mené de manière très efficace et très collégiale. J'ai souvent été impliqué dans ce genre de processus et la rapidité avec laquelle celui-ci a été fait et la manière dont il a été fait est en tout point remarquable. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour remercier les nombreuses parties prenantes dans ce processus. En premier lieu, bien sûr, les institutions nationales, les institutions au niveau des 3 départements, mais également les partenaires internationaux. Et dans ce cadre, je voudrais souligner aussi l'excellente collaboration qu'il y a eu au sein de ce qu'on appelle la tripartite, qui est le mécanisme qui existe au niveau global pour ce genre de processus, les Nations Unies, l'Union Européenne et la Banque Mondiale, à laquelle s'est adjointe la BID, et aussi les très bonnes relations avec les partenaires bilatéraux. Et enfin, je voudrais remercier tous mes collègues des Nations Unies pour leur engagement auprès des partenaires nationaux dans le cadre de cet exercice, et notamment le PNUD pour son rôle au sein de la famille des Nations Unies, son rôle de coordination et de leadership technique pour le PDNE. Le PDNE a démontré encore une fois l'impératif d'agir maintenant afin d'intégrer la gestion des risques dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. La gestion des risques et désastres, vraiment, ça doit être élevé au niveau de priorité nationale en Haïti. Quand on voit les dégâts, l'impact des désastres sur, par exemple, le PIB, encore une fois, cette fois-ci, c'est 15%. Donc, c'est toujours très impactful. Donc, c'est vraiment un point très important à ce que ce soit élevé au niveau de priorité nationale. Le séisme du 14 août a une nouvelle fois souligné la très grande fragilité du pays par rapport aux risques systématiques conjugués qui sont liés à la situation politique, sécuritaire, économique, sociale du pays et aux aléas naturels, qu'ils soient sismiques ou hydroclimatiques. Le PDNE a également démontré dans quelle mesure les conditions de vie de la population ont été affectées. Le séisme a mis en exergue les nombreuses vulnérabilités préexistantes et va encore retarder la réalisation des objectifs du développement durable d'ici 2030. À l'heure d'aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes dans la péninsule sud n'ont plus de logement, n'ont plus d'accès aux services de base, ont beaucoup moins de perspectives pour rétablir le peu de moyens de subsistance qu'elles avaient avant le séisme, pour ne pas mentionner l'accès à l'éducation et le retour des enfants à l'école. J'étais dans la péninsule sud avec plusieurs de mes collègues il y a quelques jours. Les besoins restent immenses, certains plus urgents que d'autres, et il est important de travailler, même si aujourd'hui on parle surtout du futur, de la reconstruction, il est important de travailler sur plusieurs fronts à la fois, assistance humanitaire, relèvement immédiat et enclencher la reconstruction. Il y a des populations particulièrement démunies et vulnérables pour qui l'aide d'urgence reste absolument vitale à ce stade. Mais l'assistance humanitaire, comme j'ai pu m'en rendre compte la semaine dernière, est en train de s'épuiser par faute de financement et les interventions de relèvement immédiat tardent à se mettre en place de manière concrète en réponse aux besoins. J'en profite donc pour aussi lancer un appel pour que l'aide d'urgence continue à être mobilisée, alors que nous avançons sur la phase de reconstruction. Le séisme qui a frappé la péninsule sud nous offre à tous, autorités nationales et amis de la communauté internationale, une opportunité de faire en sorte, à une échelle géographique abordable,
d'apporter des réponses concrètes et coordonnées pour que les populations puissent se relever en toute dignité, tout en réduisant au maximum les risques de crise future. C'est notre obligation collective, mais à responsabilité partagée. Ce faisant, nous devons appliquer maintenant les leçons apprises de 2010 et 2016, parmi lesquelles une est particulièrement importante, comme l'ont indiqué les présentateurs précédents, donner les moyens et appuyer les collectivités territoriales, aller au plus près du terrain, pour qu'elles puissent jouer leur rôle dans la coordination, la mise en œuvre et le relèvement de leur communauté, en travaillant avec tous les réseaux de la société civile, le secteur privé local, les organisations de base qui existent et sont actifs sur le terrain. C'est vraiment très important en termes d'une véritable appropriation. Le système des Nations Unies en Haïti est et restera prêt à appuyer les autorités nationales dans la définition d'un cadre de coordination pour le relèvement de la péninsule sud, qui soit avant tout décentralisé pour répondre aux spécificités du territoire et aux besoins des populations. Le système des Nations Unies reste également engagé pour définir une meilleure manière d'opérer avec tous les PTF et les pays amis d'Haïti, en vue de commencer à adresser les causes systémiques et conjoncturelles des fragilités et vulnérabilités d'Haïti, dont le cadre de relèvement intégré de la péninsule sud pourrait bien constituer un premier jalon. C'est pour moi un plaisir et un honneur que d'être parmi vous pour cette cérémonie de lancement du PDANA. Je voudrais commencer par saluer l'excellent travail conjoint avec l'ensemble des ministères sectoriels sous la coordination du ministère du Plan, ainsi que l'étroite collaboration avec les partenaires au développement tels que les agences des Nations Unies, l'Union européenne et la Banque interaméricaine de développement. Nous avons été très heureux d'appuyer le gouvernement et de contribuer activement à la réalisation de l'évaluation des besoins post-catastrophe. Et je voudrais faire écho à ce que vient de dire Bruno Lemarquis sur l'excellente qualité de ce document et sur sa préparation en un temps record. Donc merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. Les résultats de cette évaluation nous ont permis d'identifier dans le détail les pertes et les dommages subis dans chaque secteur. Les dommages s'élèvent à 1,2 milliard, montant qui valide l'estimation que la Banque mondiale avait faite dans les jours qui avaient suivi la catastrophe et avait évalué les dommages à 1,12 milliard utilisant la méthode GRADE d'évaluation rapide à partir de technologies à distance. Ce qui montre la pertinence de ce genre d'outils mobilisables très rapidement. En tant qu'institution financière internationale, je voudrais me concentrer sur la reconstruction. Nous avons noté que les besoins s'élèvent actuellement à 1,97 milliard de dollars, dont environ 600 millions sont des besoins de financement public. La Banque mondiale propose de contribuer à la réponse de ces besoins et d'allouer un montant total estimé à 190 millions de dollars dans le cadre du plan de relèvement intégré qui est actuellement en cours de finalisation. Pour le court et le moyen terme, nous avons déjà réalloué des fonds et amendé des contrats de projets en cours pour environ 40 millions de dollars dans les domaines du transport, de l'agriculture, de l'éducation, de la protection sociale et de la gestion des risques et des désastres. Sur ce montant de 40 millions, quelques 15 millions de dollars ont déjà été décaissés, y compris la signature du contrat et le démarrage du chantier pour le pont temporaire de Jérémy, le pont démarcé estimé, dont les travaux ont commencé. Nous avons également déclenché la composante de réponse d'urgence, CERC, pour un projet de transport, donc dans le cadre duquel nous finançons le pont temporaire, et sommes en train de le faire pour les projets de gestion des risques et désastres et de santé pour un montant total estimé à 60 millions de dollars. Il est en effet essentiel de permettre au plus vite aux populations affectées d'avoir accès aux services essentiels et comme l'ont souligné plusieurs des intervenants précédents, pour plus de 300 000 élèves de reprendre le chemin de l'école dans les meilleures conditions possibles. Pour la phase de relèvement et de reconstruction à moyen et long terme,
La Banque mondiale va aussi mobiliser des fonds additionnels de l'AIDA 19 du guichet de réponse aux crises, le CRW Crisis Response Window, pour un montant estimé à 150 millions de dollars, dont 90 millions pour compléter les opérations en cours de préparation dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'éducation et du transport. Et à chacun de ces trois projets, nous ajouterons une composante de reconstruction dans la péninsule sud. Ces nouvelles opérations devraient être toutes approuvées à la fin du premier trimestre 2022. Deux points essentiels sur lesquels je voudrais conclure. Le premier sur l'attention particulière qui devra être apportée à la résilience et à l'application du principe de « build back better », reconstruire au mieux, dans les projets et opérations de la reconstruction, afin de réduire la vulnérabilité des populations et du pays en général aux catastrophes futures. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur l'importance de la coordination de ces efforts de reconstruction. À ce sujet, la Banque mondiale s'engage à poursuivre l'étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires de développement pour mettre en œuvre les actions de reconstruction. En conclusion, je souhaite au gouvernement et à l'ensemble des partenaires au développement une mise en œuvre diligente des efforts de relèvement et de reconstruction résiliente pour le bien des populations les plus vulnérables qui ont été affectées par le tremblement de terre du mois d'août 2021. Nous sommes donc réunis ce matin pour la présentation de l'évaluation des dommages, pertes et besoins évalués à la suite du séisme qui a frappé la péninsule sud le 14 août dernier. Avant de nous pencher sur les chiffres et les tableaux, je voudrais partager une pensée pour les victimes décédées, les personnes, plus de 600 000, qui ont vu leur vie bouleversée du jour au lendemain. C'est particulièrement à elles que nous devons penser aujourd'hui, à leurs besoins et à comment nous allons les accompagner dans les mois et les années qui viennent pour qu'elles puissent construire un avenir plus certain et plus résilient. L'Union européenne est satisfaite d'avoir pu accompagner Haïti avec la Banque mondiale, les Nations unies et la BID dans cette première étape d'évaluation des besoins nécessaires à la reconstruction. Je félicite sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont participé au PDNA d'avoir pu livrer un résultat en dehors des 6 semaines qui avaient été allouées par le Premier ministre, M. Ariel Henry, le 30 août dernier. Bravo. Notre engagement à vous accompagner va continuer à se refléter dans votre contribution au plan de relèvement intégré, pour l'instant en développement, pour répondre aux besoins identifiés par le PDNA. À propos de cadre de relèvement intégré, je voudrais mentionner quelques principes directeurs que celui-ci devrait intégrer. Tout d'abord, une bonne priorisation des besoins pour chaque secteur. Enfin, l'appropriation du processus et de sa mise en œuvre par les ministères sectoriels, les services des départements et des communes. Et enfin, comme tout cela a été mentionné, il ne s'agit pas simplement de reconstruire, mais de reconstruire mieux et de façon résiliente et plus équitable. Enfin, la coordination des opérations des uns et des autres sur le terrain devra être effective et ne pas se limiter à des déclarations d'intention. La USAID est honorée de prendre part de la cérémonie de lancement officiel du PDNA et de reconnaître l'importance de ce travail pour reconstruire une Haïti plus forte. Tout d'abord, je voudrais féliciter nos collègues du ministère de la Planification et de la coopération externe pour leur réalisation de l'évaluation des besoins post-catastrophe, la PDNE, et reconnaître la contribution de l'Union européenne, de la BID et des Nations unies qui ont soutenu l'élaboration de l'évaluation. Nous savons tous que la situation sécuritaire actuelle en Haïti a rendu ce travail très difficile et c'est
un accomplissement notable. Je considère cette évaluation comme un exemple de ce que nous pouvons réaliser ensemble lorsque nous fixons des objectifs communs et pour le bien du peuple haïtien. Je voudrais également encourager le leadership continu de le ministère de la planification et de la coopération externe, alors que nous passons de la réponse aux reconstructions et à la résilience. Comme Administrator Samantha Power a indiqué dans ses récentes remarques à l'Université de Georgetown, la USAID estime que la leadership haïtienne est essentielle à la croissance à long terme et nous sommes prêts à soutenir cet effort. En effet, la communauté des donateurs est là pour apporter son soutien aux objectifs de développement national. Et je crois que, alors que nous nous dirigeons vers l'élaboration d'un plan d'action des donateurs pour Haïti, la mise en place des mécanismes de communication bilatéraux, actifs et collaboratifs contribuera à assurer la progression vers nos objectifs. Afin de renforcer notre collaboration, je souhaite apporter mon soutien à la revitalisation du CAED sous une forme ou une autre. Avec un CAED actif, un autre mécanisme de coordination, nous pouvons renforcer les voix haïtiennes en tant que moteur du développement et garantir que notre travail réponde aux besoins du peuple haïtien. Les États-Unis ont été parmi les plus forts intervenants aux récentes catastrophes. En collaboration avec l'armée américaine, la USAID a fourni une réponse immédiate de 72 millions de dollars. Ces fonds d'urgence ont permis de porter secours aux trois départements les plus touchés. Nous sommes également heureux d'avoir fourni un financement supplémentaire alors qu'Haïti passe à la phase de reconstruction. La USAID a fourni 15,45 millions de dollars supplémentaires en fonds de développement pour les zones les plus touchées. Ces fonds soutiennent l'éducation, l'eau et l'assainissement et la croissance économique et la gouvernance. Et au-delà du financement, nous avons également sacré notre propre personnel à ces efforts visant à intégrer notre travail dans tous les secteurs, à soutenir le leadership haïtien et à obtenir des résultats résilients. Je voudrais également, au nom de la USAID, vous adresser notre plus sincère reconnaissance. La USAID et le gouvernement américain restent dévoués à la sécurité et au bien-être d'Haïti et de son peuple. Mesdames, Messieurs, je m'abstiendrai de vous assommer avec les statistiques du PDNA que vous connaissez tous pour y avoir travaillé. Mais je ne peux m'empêcher de citer quelques chiffres clés. 157 milliards de gourdes pour les dommages et les pertes, dont près de 50% seulement pour le secteur logement. Alors que les besoins de relèvement se chiffrent à environ 2 milliards de gourdes. Ces montants paraissent importants, mais j'ai l'assurance qu'avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, c'est dans l'ordre du possible. Je me réjouis que le PDNA de la péninsule Sud 2021 soit allé au-delà d'un simple exercice d'évaluation pour s'inscrire dans une perspective plus large de développement intégré. À cet effet, le cadre de relèvement et de reconstruction, ainsi que le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud, veut offrir aux acteurs un guide d'action cohérent. C'est ce que veut mon gouvernement, pour s'assurer de la performance des interventions dans les zones les plus affectées. Dans ce ordre d'idées, j'exhorte tous les acteurs à respecter les directives du PDNA
à savoir la bonne gouvernance, la relance économique résiliente et durable, les infrastructures, l'aménagement du territoire et les moyens de subsistance, et enfin, la protection et l'inclusion sociale. En se référant aux résultats du PNA, il semble que les priorités d'intervention s'articulent particulièrement sur le logement, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, la connectivité des territoires, la relance économique. Partenaires techniques et financiers, administrateurs publics, votre présence en cette enceinte ce matin témoigne votre engagement manifeste envers le relèvement et la reconstruction de la péninsule sud. Sachez que cette population attend des réponses concrètes à leurs besoins. Je vous exhorte à agir avec méthode, rigueur et pragmatisme. Il n'y a pas de temps pour les allers-retours interminables qui génèrent inutilement des frustrations, de l'incompréhension et de l'impatience. Le temps nous est compté. Mesdames, Messieurs, vu l'urgence d'intervenir dans la péninsule du Sud, nous n'avons pas le droit à l'erreur si nous voulons éviter une double catastrophe dans la région. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous était branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là, et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.